Je fermais la porte de mon bureau avant de descendre dans la rue pour pouvoir rejoindre ma voiture après avoir salué la secrétaire et rangé quelques dossiers posés ici et là sur mon bureau en désordre. Sur la route, j'allumais la radio pour pouvoir me détendre l'esprit. Je m'arrête sur une station diffusant des nappes sonores chaudes et lentes. Je m'abandonne à ce voyage sonore rythmé par les rythmes de klaxons et de moteurs résonnant aux alentours. Arrivé à destination, je pénètre dans mon logement. Le faible néon clignotant éclaira déjà la salle à manger et le salon. Un instant pour réchauffer un reste de tacos au micro-ondes afin de le déguster avec du chili con carne. Soudain, je fus pris d'un besoin de sortie. Je pris rapidement mon comprimé quotidien. J'éteignis la lumière, ferma la porte, descendit pour pouvoir lentement me diriger vers la rue. Les premières couleurs commençaient déjà à ressortir, signe du début des premières hallucinations visuelles et auditives. La voiture de police roule rapidement devant moi. Le bruit lumineux des gyrophares multicolores m'aveugla. Le contraste et les couleurs de la ville sont devenus moins prononcés que d'habitude, signe que mon délire progresse lentement, mais sûrement. Les effets stroboscopiques des lampadaires couleur fluo me rendaient de plus en plus fou, jusqu'à ce que les formes ectoplasmiques firent leur apparition. Ils se dirigeaient vers moi. La ville devint au fur et à mesure un nightclub lugubre avec un dancefloor désert. Les couleurs tournent, de plus en plus lumineuses et agressives. Je tombe au sol, étourdi.
Je contemple doucement le paysage ensoleillé devant moi. Le soleil est en train de se lever au loin, à l'horizon, et la brise du vent balaye doucement les champs de blé vers la droite. Les couleurs brumeuses et turquoises dansent au rythme du vent, au loin. Les teintes roses pastel se dégrader, tendant vers le bleu, tout en laissant une empreinte cotonneuse sur le soleil et les champs. Un avion passe à 10 mètres de ma tête, répandant un gaz aquarelle en direction de mes narines. Je suffoque, et soudain le ciel prit une couleur gris amer sombre. Le soleil devint rouge feu brillant, il est désormais impossible de le regarder. La brise se changea progressivement en vent violent et dévastateur. Il défigura le paysage, le rendant sombre et aride. Je me lève dans la ruelle, encore étourdi par les effets agressifs des lampadaires de la ville. De plus belle. Je titube dans les rues de la ville, au milieu des routes éclairées par les phares étincelants des véhicules. Le goudron rigide de la route se change désormais en matière visqueuse et collante, me donnant encore plus de difficultés à me déplacer. Les gaz de l'atmosphère nocturne se colorent de plus en plus en teintes de vert nuancées par le gris et le jaune foncé. Mon logis est encore loin et difficile à atteindre. Je traverse à présent une forêt remplie de gaz toxiques et hallucinogènes. Les champignons étaient phosphorescents et brillaient dans la nuit noire. J'en cueille un délicatement. Je le déguste avec appétit. Son aura vert fluo se transforme en gelée bleue et en turquoise.
À présent, la forêt forma un chemin vers ma destination finale. Le sentier prenait la forme d'une montagne russe de fête foraine et se mouvait au fur et à mesure de mon avancée. Une fois chez moi, je me laisse tomber sur mon fauteuil, épuisé par ce périple. Le soleil commençait déjà à se lever.